Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler un peu de ce qui se passe, hein, du pass sanitaire et des salles de sport et de moi, ce que je vais faire. Parce que voilà, j'en ai parlé un peu sur Instagram, j'ai pas tout dit. Parce que je réserve ça à YouTube, hein, on parle sur YouTube, on est bien, on est tranquille, on est entre nous. Et je t'exposais un peu mon plan d'action. Même si que je suis pas triste pour les salles de sport, on va trouver une solution, t'inquiète pas. Bon, c'est simple, à partir du 21 juillet, tout dépend quel jour sort cette vidéo, si c'est avant ou après, et ben les salles de sport vont exiger un pass sanitaire, malheureusement, pour tous ceux qui sont vaccinés, qui ont leur 2 doses ou leur 1 dose, peu importe, je sais pas comment c'est fait leur truc. Mais voilà, hormis certaines salles de sport qui vont exiger, enfin qui vont limiter à 45 personnes dans la salle. Pour les gens comme nous qui ne sont pas vaccinés pour le moment, même si je pense qu'en août, toutes les salles de sport vont laisser le pass sanitaire et vont avoir leur plein d'adhérents tranquillement pour éviter les queues. Et mon but est simple. Mon but, c'est pas parler de complot, c'est pas parler de oui, il faut se faire vacciner ou faut pas se faire vacciner. Mon but, c'est pas ça, je m'en fous. Et les réseaux, de toute façon, il y a ça toute la journée. Mon but, il est simple. Comment on va s'entraîner? Comment on va faire? Comment on va progresser? Et les gens qui ne sont pas vaccinés, qui ne veulent pas se vacciner, comment ils vont faire pour progresser? Mon but, c'est de réfléchir à ces problématiques-là pour qu'on évolue tous ensemble, avec salle ou sans salle de sport. Bon, moi, je te cache pas, dès que j'ai appris la nouvelle, j'étais pas choqué. Je me suis fait, c'était sûr. Au bout d'un moment, c'était sûr. Il avait déjà évoqué au tout début de l'épidémie. Donc, je me suis dit, dans tous les cas, ce sera comme le premier confinement. Je vais rester à la maison et puis voilà. Mais pour ceux qui me suivent et qui n'ont pas accès aux salles de sport ou qui ne veulent pas se vacciner, comment vous allez faire? D'accord? Donc, bien évidemment, on va faire des programmes de sport. Il y a déjà plein de programmes sur ma chaîne, plein de conseils sur ma chaîne. Et ben, on va en refaire. Bien évidemment, on va en refaire, les mecs. C'est important. Juste après cette vidéo, on va bosser sur une playlist de programmes. Simple, d'accord? On va faire des programmes au poids du corps. J'ai envie de faire un programme type au poids du corps. Bon, ça va être un peu dur pour certains muscles, mais je me dis qu'il y a certaines personnes qui n'ont aucun matériel, qui n'ont rien du tout, d'accord? Ils n'ont pas d'haltère, ils n'ont rien, mais ils veulent faire de la musculation au poids du corps. Ou certaines personnes qui veulent se mettre au street workout, qui veulent bien développer leurs muscles quand même au poids du corps, qui veulent avoir la force au poids du corps pour maîtriser tout ce qui est pont claqué, planche et tout. Donc on va faire ça, ok? Programme poids du corps. Deuxième chose, j'avais parlé de la balance Yungdo. Ben Yungdo, figure-toi qu'il m'a envoyé des élastiques. Il m'a envoyé 2 élastiques à basse tension. Si tu as vu ma vidéo sur les élastiques ou des programmes à l'élastique, je t'ai dit que j'allais faire des programmes à l'élastique. Et je vais en faire bien évidemment. Et là, ça me motive encore plus à les faire. Mais là, il m'a envoyé 2 élastiques de basse tension. De base, j'utilise pas ces élastiques-là. Mais ces élastiques-là sont quand même intéressants pour faire quelques exercices, notamment de cardio, mais aussi des exercices où tu peux bien étirer tes pectoraux et tes épaules. Donc, on va aussi faire quelques trucs avec ça. C'est intéressant. Et bien évidemment, je vais te faire des programmes avec des poids, d'accord? Des programmes avec des barres, des programmes avec des haltères. Je verrai si je ne te ferai pas un programme complet à la barre cette fois-ci, parce que je t'ai fait beaucoup de programmes avec haltères. Mais je me dis, pour les gens qui ont une barre, pour les gens qui ont un banc de développé couché et une barre, et qui veulent un programme complet à la barre, ça peut être intéressant. Donc, je verrai. Programme à la barre ou alors juste programme avec des disques de poids, on peut tout faire. On peut vraiment tout faire. Donc, je vais réfléchir, je vais me poser tranquillement, tu vois, je vais m'installer dans le lit, je vais mettre une petite playlist de musique chill et je vais écrire 5-6 programmes complets et je vais tourner ça afin que cet été, on puisse bosser ensemble tranquillement de la meilleure des façons possibles. Et aussi donner des exercices à que même si tu sois en salle de sport, et ben tu puisses les suivre pour évoluer ou les adapter à ton propre programme. Parce que c'est important. Il faut qu'on s'entraide tous ensemble. Les gens qui sont en salle de sport comme les gens qui ne sont pas en salle de sport, les gens qui sont vaccinés ou les gens qui ne sont pas vaccinés,
on va tous s'entraider et évoluer ensemble. Par contre, les mecs, j'essaie de faire un truc. Je sais que, voilà, beaucoup de personnes m'ont demandé une séance jambes en salle de sport. Ça fait longtemps qu'on m'a demandé de bosser les jambes, de faire une vidéo jambes, au moins de me voir faire les jambes, de me voir souffrir en poussant. Il faut que je te présente ça. Il faut que je te montre ça sur la chaîne. Donc, soit demain, soit après-demain. De toute façon, j'ai que 2 jours pour ça. Il faut que j'aille un matin avec la caméra en salle et que je te produise une séance jambes du futur. Ou que je te montre une petite séance jambes avec quelques conseils tranquillement. Je vais voir si je ne vais pas te faire mes 3 exercices ou mes 4 exercices jambes ou une séance jambes motivation en salle. Mais il faut que je te montre au moins les jambes à la salle de sport avant que ça ferme. Comme ça, au moins, ça sera fait et on pourra se consacrer au programme tranquillement. Mais j'espère vraiment que j'aurai le temps de te faire ça. Donc voilà, on en avait parlé, d'accord, depuis longtemps. Si je te cale cette séance jambes, je serai très content et vous aussi, vous serez très content. Au moins, on sera quitte. Depuis longtemps, je vous la dois, cette séance jambes, ce programme jambes, et ça va faire du bien à tout le monde. Sinon, moi, j'essaie d'être très actif pendant ces vacances. Ok, je vais pas à la salle, j'ai du temps, je vais utiliser tout le temps que j'ai pour être actif sur cette chaîne YouTube. Là, ça fait quoi? Ça fait 2-3 semaines que je fais des vidéos du lundi au vendredi. Le samedi dimanche, je me laisse du repos. Donc, je vais essayer de faire ça pendant toute la fin du mois de juillet et tout le mois d'août. Ça va être chaud, d'accord? Je sais que tous les YouTubeurs sont en vacances. Moi, il n'y a pas de vacances. On va bosser, on va faire du contenu, on va faire du programme, on va s'entraîner ensemble. Voir si je fais des petites vidéos, délire et tout, parce que voilà, la chaîne est monétisée, tu vois, on gagne un tout petit peu de sous sur YouTube. Voir si avec ces sous-là, je peux acheter du matériel de musculation sur Amazon, de te le montrer et de voir si c'est utile ou pas pour voir si toi aussi tu peux l'acheter. Faire un peu le test avec l'argent qu'on gagne tous ensemble et qu'on génère tous ensemble. Et je trouve que ça peut être intéressant pour la chaîne. Si tu as des idées de programme, s'il y a un truc que tu veux voir ou un programme que tu veux que je fasse, par exemple, tu me dis, ouais, Dams, va dans un parc de street workout et fais-nous des programmes là-bas, je vais le faire, mec. Je prends ma caméra, je prends mon trépied, je vais dans un parc, j'y vais. Il n'y a pas de souci. Je te fais du contenu de fou, je te fais de la qualité. Moi, tu vois, moi, je m'en tape. Je prends toutes les idées, tous les programmes, ou fais-moi un programme trapèze ou un programme bras un peu plus dur, je le ferai, il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit, c'est une chaîne où toutes vos questions, tous vos commentaires, toutes vos suggestions, tous vos messages en privé, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, peu importe, tous les messages, je les lis, je réponds. Et si je peux adapter une vidéo ou faire une vidéo avec un sujet intéressant que vous m'apportez, et ben je le fais, il n'y a pas de souci. Ben sinon, c'est tout pour cette vidéo à but informatif, on va dire. Moi, ben, il ne me reste plus qu'à bosser. Hein. Comme j'ai dit, ces vacances-là, je vais être réactif, je vais être régulier. Comme j'ai dit, je vise les 10K avant la fin de l'année. Et pour avoir 10K, je n'ai pas le choix que de faire du taf. Je n'ai pas le choix d'être régulier. Je n'ai pas le choix d'être productif et faire de la qualité. C'est dur, mais moi, je sais faire les deux et je vais faire les deux. Je n'ai pas le choix, clairement. Bon, moi, je vais te laisser ici. Si t'as aimé cette vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.